Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, programme, pompe, freestyle. Ouais, ça fait longtemps que je voulais le faire. J'avais quelques perturbations, mais là, on y est. On va le faire. Enfin! Hop, je vois si tout est prêt. Téléphone avec mon chrono, tranquillement. Mon carnet pour noter, ma bouteille d'eau. On va faire le premier exercice. Pompe normale. 4 fois 10 reps, ok? L'idée c'est de bien descendre et de bien monter afin de bien faire le mouvement des pompes. Parce que si tu veux faire des pompes freestyle, les pompes c'est la base. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. On se prend 1 minute ou 1 minute 30 de repos. Tout dépend de ton niveau. Mais tu peux prendre une 30, d'accord? Là, c'est pompe freestyle. Plus important, hop, c'est d'être à l'aise en pompe. Je fais des petits échauffements de poignets. Ça aide aussi pour quand tu vas faire des pompes claquées, des pompes avec des enchaînements. Bam, 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 tu vois. Tes poignets prennent un coup, donc c'est important de faire des petits trucs comme ça. Petite rotation aussi. Hop. Faut savoir, dans mes échauffements, je compte pas trop tout ce qui est rotation et tout. Je fais à ma sauce, d'accord? Quand je sens que mon corps est bien chauffé, je sais que là je suis bon. Je verrai si je ferai une vidéo sur les échauffements aussi. Hop. 58, 59. On repart, je repars 1 minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Hop. Là, ça va, je commence à être bien. Après, c'est que des pompes. Exercice 1, ça va. On est plutôt good. Oh. Je sais pas sur combien de séances on va faire ça, mais j'essaie de partir au niveau le plus débutant, à un niveau, on va dire, avancé, où vraiment on va faire des pompes claquées en dessous les jambes et tout, faire des trucs de ouf. C'est très important. D'ailleurs là, j'entends pas le son au retour, mais un peu de vent, et dans mon micro, j'ai pas de filtre anti-vent, tu vois. Donc, j'espère que tu m'entends bien quand même, mais on n'entend pas trop le vent. Mais normalement, ça devrait aller. Parce que moi, dans tout mon matériel, j'ai mis le prix. Oh, 50, on va peut-être repartir. Là, je suis assez focus. Parce que j'ai pas envie de me blesser, pas envie de faire un faux mouvement. Comme ce soir, c'est sans spec. Donc, faire les choses bien par rapport à ça. Troisième série. Toujours pris 1 minute de repos. Toi, tu peux prendre une 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Ok, troisième. Hop. Temps de repos. Et on va passer à la dernière tranquillement. Oh. Ouh. Les pompes freestyle, moi j'ai pas vraiment appris. C'est plus. À l'époque, je faisais du break. Break dance. Donc j'avais beaucoup de mouvements d'équilibre, mouvements de force. Mouvement qui ressemblait à ça. Tu vois, c'est ces mouvements-là, là. Où je tenais sur un bras, comme ça. Bon, là, je sais moins le faire. Mais avant, je tenais sur un bras, équilibre. Du coup, ce qui fait que j'ai beaucoup d'aisance avec mon corps et j'ai pas peur de tomber. Parce que je suis beaucoup tombé déjà. Donc, je suis bien par rapport à ça. Et on va dire que tous les mouvements, je les voyais, je les refaisais et je savais le faire. J'ai pas vraiment appris. Mais je sais quand même les prérequis pour apprendre à les faire. Très important parce qu'en break, j'ai fait beaucoup de mouvements de pompe, de musculation qui m'ont permis de tenir beaucoup de mouvements. Et là, je te les retransmets. 1 minute 4, on repart pour la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Voilà.
Hop. Quatrième trait. Bon. Tu prends 2 ou 3 minutes de repos. Tu bois de l'eau, tu te reposes bien. Et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. On va se faire 5 fois 5 pompes avec impulsion. Alors, les pompes avec impulsion, c'est très important. Attends, je mets bien mon chrono parce que là, mon chrono s'est enlevé. C'est très important. Ça va t'aider à tout faire dans les pompes freestyle. Si tu sais pas faire ça, t'es mort dans le film. J'en fais 5 parce que voilà, on débute, on apprend et on va faire 10. Clairement, ça va te fumer. Et l'idée est que ton corps y comprenne et que toi, t'appréhendes moins le sol. D'accord ? Très important. Je rappelle, une pompe à pulsion, c'est ça. Hop ! Ok ? On va en faire 5. C'est parti. Hop, on se place bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on fait un trait. Repos. 1 minute. 1 minute ou 1 minute 30. Moi, je vais faire 1 minute, d'accord ? Je suis habitué à faire ça. Donc, on va le faire en 1 minute. Grâce à ça, tu as réussi à faire tes premières pompes claquées. Tu as réussi à faire tes pompes où tu touches tes genoux. Tes pompes claquées où tu fais derrière une jambe. Tes pompes claquées où tu fais derrière ton dos. Tu as réussi à tout faire. Tu vas moins appréhender le sol. C'est très important. Faut savoir faire ça. Ça va. Pour l'instant, je suis bien. Mais je pense qu'au bout de la troisième, quatrième, ça va me faire mal. Donc le micro-cravate sur ma barbe, il tient bien. C'est bon, je suis content. 49, 50, vas-y, on repart à 50, tranquillement. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. 2, hop. Voilà. Oh. Essaye de monter le plus haut possible. Très important, tu donnes beaucoup de force. Limite. Si tu restes un peu en bas et tu bam, et tu sautes, d'accord ? Tu peux faire ça. Si tu as vraiment du mal, tu peux carrément te coucher et hop, et tu te recouches. Hop, et tu te recouches. D'accord ? Là, pour le dernier, je me suis surélevé complètement. Mais c'est que les mains, d'accord ? C'est que les mains qui surélèvent. Là, on va faire des pompes avec impulsion où le corps aussi se lève. On va faire ça la prochaine fois, mais là vraiment c'est que les mains, très important. Oh. 50, on se laisse 10 secondes et on repart. Ok, allez, on continue pour la série de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 3. Hop, effacer. Ouh. Ah. Ouais, là, je commence à être KO. C'est avec les explications, ça. Ah. Ouh. J'ai envie de me remettre au pompe freestyle. J'ai envie de me remettre à faire des vidéos énervées où je fais plein d'enchaînements et tout. Même si je sais que ça revient vite. Mais je sais que ce petit tuto que je fais, ben, moi, ça me permet de me mettre dans le bain. Et de te proposer des vraies choses avec les pompes freestyle. Parce que moi, j'ai une chaîne de YouTube. YouTube, musculation, un peu vidéo, un peu de cross, un peu de tout, tu vois. Je fais pas juste de la salle. Je fais du poids de corps. Je vais te faire un peu de crossfit. Mais vraiment pas beaucoup. Mais voilà, je fais un peu tout. C'est important. Ok, on repart pour la quatrième. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Montrer. D'ailleurs, c'est le seul programme où il n'y aura pas de 4 fois 10 reps, mais il y aura des 5 fois 5. D'accord ?
très important. Oh. Là, il fait bon là, en ce moment. Il fait bon, ça fait plaisir. Ça me rappelle les programmes que je faisais l'année dernière. Je sais pas si tu me suivais l'année dernière, je faisais des programmes de sport en extérieur. Et c'est cette température-là. Il fait pas chaud, mais il fait pas froid non plus. Il fait bon. Et quand tu pousses, il fait encore meilleur, tu vois. Parce que t'as pas trop chaud. Et là, je suis en pull, je suis bien. 37 secondes. Le temps commence à passer vite. Je rappelle, tu peux prendre 1 minute 30 de repos. L'idée est que ton corps garde en mémoire les répétitions qu'on fait. C'est important. Pour que quand tu vas faire tes premières pompes freestyle, tu vas tout déchirer. Hop, on va faire la dernière. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Voilà. Cinquième petite raie, je mets mon temps de repos. Donc, tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on va se faire des pompes claquées. D'accord ? Si tu ne sais pas faire des pompes claquées, tu vas faire des pompes avec impulsion, toujours, très important. On va se faire 5 fois 5 répétitions, toujours. Je rappelle, pompe claquée, c'est hop. Voilà. C'est comme une pompe avec impulsion, mais là, directement. Ok ? C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. 1. Repos. 1 minute ou 1 minute 30. Tout dépend de ta forme. Moi, je prendrais 1 minute ou un peu moins. Parce que là, je sens que je suis chaud. Les pompes avec impulsion m'ont bien réveillé. Et là, je sens que je suis chaud. Comme là, je suis dans ma zone de confort un peu. Avec les pompes freestyle. Ça va, je me sens plutôt bien. Mais toi, si tu sens que c'est chaud, tu fatigues, prends un peu plus de temps de repos. Mais tu verras. Plus le temps va passer, plus tu seras à l'aise avec ça. Parce que je rappelle, ça reste que du poids de corps. Tu soulèves rien du tout. Juste ton corps. Donc, c'est très important. Tu te reposes, tu vas à ton rythme. On n'est pas tous pareils. Mais on peut arriver quasiment tous à la même condition physique, d'accord. 49, 50, allez, on repart. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 2. Voilà. Temps de repos. Ah. Là, ça va vite. Ça va vraiment vite. Oh. D'ailleurs, je t'invite à me suivre sur Instagram. Hein. C'est un peu de pub. C'est important. Dams Jordan. Mon Instagram qui est un Instagram de vidéaste. Hein, parce que voilà, je pense que tu me connais. J'ai pas besoin de le dire à chaque fois. Je fais de la vidéo professionnelle aussi. Donc, si t'aimes la belle image, si tu veux voir un peu ce que je fais, tu peux me suivre sur Instagram. D'ailleurs, j'ai des projets là. Pour faire des grosses vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais je réfléchis à comment je vais ramener la chose. Qui je vais inviter, comment je vais faire. Et voilà, ça peut être intéressant. On commence à avoir un peu de vent. J'espère que le micro va pas va pas se prendre des turbulences. Allez, on y va. 5 encore. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 3. Il en reste 2. Oh. C'est très rapide, mais c'est une routine qui va te faire du bien. Tu vas te faire du bien, tu vas te mettre dans le bain, qui va t'apprendre à faire les pompes freestyle. Parce que il n'y a aucun secret. C'est la répétition, l'apprentissage. Faut tomber, faut se faire mal. Mais moi, je vais limiter la casse, tu vois. Je vais limiter le fait de se faire mal, le fait de se blesser. On va enlever l'acharnement, on va mettre le travail pour avoir quelque chose de qualité. C'est très important. Plus tu pratiques, plus tu fais les choses bien, plus tu vas réussir à faire de la qualité. C'est très important et dans tous les domaines, c'est comme ça. Déjà 42 secondes. Ah, le temps, il passe très vite. On a la troisième. Très bien, je suis à la quatrième. Ça va.
je suis bien. Sachant qu'après, j'ai ma séance PEC qui arrive. Hop, 5, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 4. Il m'en manque une dernière. Ouh. Cette routine-là, tu peux la faire, on va dire, 2 ou 3 fois dans la semaine. Et après, tu verras, tu seras bien au bout de 2-3 semaines, voire moins, même 2 semaines. Tout dépend comment tu évolues, tout dépend comment tu fais les choses. Tu pourras passer à la suite. Mais cette routine-là, elle est importante. Même quand tu as avancé, histoire de te remettre dans le bain, histoire d'être encore plus à l'aise avec ton corps et d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut. Parce que les pompes impulsion, c'est ça qui va te servir à ne pas avoir peur pour tout ce qui suit. Parce que les pompes freestyle, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. C'est ça le pire. C'est l'appréhension et la peur. On est déjà 50. Là, tu vois, là, quand je parle avec aisance comme ça, et je remarque même pas le temps, c'est que là, je suis rentré dans ma séance. Dernière, on va faire ça bien. Allez. Une. Non, j'ai pas validé. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Oh. Je mets mon petit trait. Voilà. Donc, tu prends 1, 2 ou 3 minutes de repos. Et soit tu passes un programme suivant, ou soit la séance est finie pour toi. Sachant que ce programme pompe freestyle, tu peux le faire avant une séance PEC, ou avant une séance d'eau, ou avant n'importe quelle séance. Ça peut te faire office d'échauffement, d'accord? C'est du poids de corps, c'est bien, ça fait monter le sang un peu, ça te fait accélérer ton cœur, ça te fait du bien, ça te fait du cardio. Donc tu peux faire ça avant une séance. Comme ça, voilà. Tu seras calé en pompe freestyle, tu seras fort en poids de corps, mais tu seras aussi bien dessiné en musculation, fort en muscu, et c'est ce qu'on veut. Tu seras complet. Et notre but de 2021, c'est d'être complet. Donc si t'as kiffé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne, c'est pas fait, mais aussi à mon Instagram. Et moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.